the box. Ce sont des mannequins en bois pour les entraînements de kung-fu. Des porte-manteaux. Quel idiot tu fais, Chase. Ça, c'est vrai. Tout en douceur. Sois calme. Je sortirai d'ici
J'irai me plaindre au fabricant de ces torches. Elles tiennent à peine 10 secondes. Ne va pas trop vite. Ouf, c'était moins une. Cette torche a brûlé juste assez longtemps pour que j'arrive ici. Aucun d'eux ne correspond à l'image que je me fais d'un baril. Il y a peut-être une sonnette pour appeler un réceptionniste. Si jamais il y a...
voiture, un truc, et un truc rouge. Ok, donc. C'est une lumière, ok. Ça, il manque plus qu'un truc. Un gong. C'est encore mieux qu'une sonnette. Je suis ici pour voir Bach. Il faut que tu écoutes ça. Bienvenue dans Apprenez le Kung Fu en dormant. Détendez-vous. Vous êtes maintenant totalement détendu. Fin. Je connais le Kung Fu. Prouve-le-moi. Et la plomberie. À quelques-uns de mes disciples. Recherche au plus profond de toi le potentiel que tu caches et tu triompheras de tes ennemis. Un autre truc utile, c'est de projeter ses adversaires. Voyons voir de quoi tu es capable. Sorti jusque-là, Chase. Tu n'auras peut-être pas autant de chance cette fois.
à une agence de voyage. Oh ! Aïe ! Même moi, je l'ai ressenti. Pas mal ! Oh ! Oh là là ! Essaye de les jeter les uns contre les autres. Dans la forêt, un arbre tombe juste sur toi. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait vent. Tu remarqueras que les gars en tenue marron sont un peu plus coriaces. Quand tu te bats, ton esprit doit être détendu. Détendu. Ai-je laissé le four allumé? Pas grave. Physique, comme une chaudière bien entretenue. Aïe! Oh, eh ben, mon pote, t'es une vraie brute. Ton esprit doit être libre de doute, comme un chauffage central purgé de ses vues. Cette ceinture comme symbole de ton talent. Je ne peux pas accepter ça, Barry. Pourquoi?